Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer la lecture du compendium du catéchisme de l'Église catholique. Je t'ai rendu à la page 118. On parlera de la grâce et de la justification. Question 422. La justification est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu. Elle est l'action miséricordieuse et gratuite de Dieu qui nous remet nos péchés et qui nous rend justes et saints dans tout notre être. Cela se réalise par la grâce de l'Esprit-Saint qui nous a été mérité par la passion du Christ et qui nous est donné par le baptême. La justification ouvre la voie à la libre réponse de l'homme ou de la femme, c'est-à-dire à la foi au Christ et à la collaboration avec la grâce du Saint-Esprit. Voir le numéro 1997 à 1995 et 2017 à 2020. Et voir mes vidéos 115 et 117. Question 423. Qu'est-ce que la grâce qui justifie? La grâce est le don gratuit que Dieu nous donne afin de nous rendre participants de sa vie trinitaire et capables d'agir par amour pour lui. Elle est appelée grâce habituelle ou sanctifiante ou déifiante parce qu'elle sanctifie et divinise. Elle est surnaturelle parce qu'elle dépend entièrement de l'initiative gratuite de Dieu et pas de nous, et qu'elle dépasse la capacité de l'intelligence et des forces humaines. Elle échappe donc à notre expérience. Voir le numéro 1996 à 1998 et 2005 et 2021. Et voir mes vidéos 116 et 117. 116 et 117. Question 424. Quelles sont les autres sortes de grâces? Hormis la grâce habituelle, il y a les grâces actuelles, dont circonstancielles. Les grâces sacramentelles, dont propres à chaque sacrement. Les grâces spéciales ou charismes, qui ont comme finalité le bien commun de l'Église, parmi lesquelles il y a les grâces d'État, qui accompagnent l'exercice des ministères ecclésiaux et des responsabilités de l'existence. Voir numéro 1999 à 2000 et voir aussi 2003 à 2004 et 2023 à 2024 et voir mes vidéos 116 et 117. Question 425. Quel rapport y a-t-il entre la grâce et la liberté humaine? La grâce prévient, prépare et suscite la libre réponse de l'homme. Elle répond aux profondes aspirations de la liberté humaine. L'invite à coopérer à la perfection. Voir numéro 2001 à 2002 et vidéo 116.
Question 426. Qu'est-ce que le mérite? Le mérite est ce qui donne droit à la récompense pour une action bonne. Dans ses rapports avec Dieu, l'homme de lui-même ne peut rien mériter, ayant tout reçu gratuitement de Dieu. Néanmoins, Dieu lui donne la possibilité d'acquérir des mérites par son union à la charité du Christ, source de mérite devant Dieu. Les mérites des bonnes œuvres doivent donc être attribués avant tout à la grâce divine, et ensuite à la volonté libre de l'homme ou de la femme. Voir numéro 2006 à 2009 et 2025 à 2027. Et voir les vidéos 111 et 117. Question 427. Quel bien pouvons-nous mériter? Sous la motion de l'Esprit Saint, nous pouvons mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour nous sanctifier et pour parvenir à la vie éternelle, ainsi que les biens temporels qui nous sont nécessaires, selon le dessein de Dieu. Nul ne peut mériter la grâce première qui est à l'origine de la conversion et de la justification. Voir numéro 2006 à 2009 et 2025 à 2027 et mes vidéos 116 et 117. Question 428. Sommes-nous tous appelés à la sainteté chrétienne? Tous les fidèles sont appelés à la sainteté chrétienne. Elle est la plénitude de la vie chrétienne et la perfection de la charité. Elle se réalise dans l'union intime avec le Christ et en lui avec la Sainte Trinité. Le chemin de sanctification du chrétien, après être passé par la croix, aura son achèvement dans la résurrection finale des justes, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Voir le numéro 2012 à 2016 et 2028 à 2000. 29 et voir mon vidéo 117. Nous parlerons maintenant de l'Église, mère et éducatrice. Question 429. Comment l'Église nourrit-elle la vie morale du chrétien? L'Église est la communauté où le chrétien actuel accueille la parole de Dieu et les enseignements de la loi du Christ. Voir Galates chapitre 6, verset 2. Il y reçoit la grâce des sacrements. Il s'y unit à l'offrande eucharistique du Christ, sacramentellement, en sorte que sa vie morale soit un culte spirituel. Il y apprend l'exemple de sainteté de la Vierge Marie et des saints. Voir le numéro 2030 à 2031 et 2047. Et voir la vidéo 117 et 118. Question 430. Pourquoi le magistère de l'Église intervient-il dans le domaine moral? Il revient au magistère de l'Église d'annoncer la foi, à croire et à appliquer dans la vie concrète,
Cette tâche s'étend aussi aux préceptes spécifiques de la loi naturelle, parce que leur observance est nécessaire pour le salut. Pour compléter, voir le numéro 2032 à 2040 et 2049 à 2051. Et voir les vidéos 117 et 118. Question 431. Quelle est la finalité des préceptes de l'Église? Les cinq préceptes de l'Église ont pour but de garantir aux fidèles le minimum indispensable en ce qui concerne l'esprit de prière, la vie sacramentelle, l'engagement moral et la croissance de l'amour de Dieu et du prochain. Voir le numéro 2041 et 2048 et mon vidéo 118. Question 432. Quels sont les préceptes de l'Église? Ce sont les suivants. 1. Participation à la messe du dimanche et les autres fêtes de précepte, et se libérer des travaux et des activités qui pourraient empêcher la sanctification de ces jours-là. 2. Confesser ses fautes en recevant le sacrement de la réconciliation au moins une fois par an. 3. Recevoir le sacrement de l'Eucharistie au moins à Pâques. 4. S'abstenir de manger de la viande et jeûner au jour fixé par l'Église. Et 5. Subvenir aux besoins matériels de l'Église, chacun selon ses possibilités. Voir le numéro 2042 à 2043 et mon vidéo 118. Question 433. Pourquoi la vie morale des chrétiens est-elle indispensable pour l'annonce de l'Évangile? Par leur vie conforme au Seigneur Jésus, les chrétiens attirent les hommes ou les femmes à la foi au vrai Dieu. Ils l'identifient, ils édifient l'Église, ils pénètrent le monde de l'Esprit de l'Évangile et préparent la venue du royaume de Dieu. Voir le numéro 2044 à 2046. Et mon vidéo 118. Ce serait tout pour cette section. Nous allons commencer une deuxième section dans la prochaine vidéo, parce que nous allons parler les 10 commandements de Dieu. Nous allons en plus changer d'image pour la présentation de la vidéo. Donc, nous allons parler surtout de Exode 20, chapitre 2 à 17, Deutéronome 5, versets 6 à 21, et de la formule catéchétique de l'Église qui résume les 10 commandements. Ce serait tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo, donc je vous laisse là-dessus et que Dieu vous bénisse par les paroles de l'Église et qui vient de l'Évangile. Donc, bonne journée et à la prochaine.